que rêver de mieux. On a démontré que le bateau était rapide, que l'équipage était, savait le mener et qu'on a eu la réussite de notre côté pour que tout fonctionne bien jusqu'au bout. On a du vent à peu près, on a 17-18 nœuds. Là, ça va bien s'accélérer. Donc, on est parti sur à peu près un bon reaching pour 190 000. Et après, tranquillement, ça va donner en forcissant. Ce qui va nous permettre peut-être de faire un petit 24 heures, écoute, en cette première journée. Il y a de la brume, ça s'éclaircit par moment. Puis on avance vite, donc c'est bien. On a cassé le foil bâbord. Il reste toute la partie qui est à l'intérieur du flotteur. Ça fait pénètre au ras du flotteur. Il reste quelques petites écharpes de carbone dans l'eau. Donc voilà quoi. Bien stressante, près du but et la peur de casser le bateau. Ce que le Groupama 3 subissait, ça me faisait serrer les tripes. Ça a été dur, ça a vraiment bougé dans tous les sens. S'envoler et retomber dans un fracas incroyable, surtout pour les gens à l'intérieur d'ailleurs, et on se demandait qu'est-ce qu'elle allait casser. Les hommes les plus rapides sur l'eau en 24 heures et sur l'Atlantique Nord, donc c'est génial. Je suis content. Je vous la fête pas, mais je mesure bien la chance que j'ai d'être dans une aventure comme ça, vraiment. L'harmonie entre l'équipage qu'on a pu former depuis un an et le bateau a fait finalement 4 records en 5 mois, ce qui était l'objectif. Et c'est tout un prix d'un travail depuis 2004, toute une équipe technique, une grosse équipe humaine qui travaille sur ce projet depuis maintenant 3 ans. C'était très excitant, un petit peu stressant, mais c'est la première fois qu'on menait le bateau dans ces vitesses-là. C'est vrai que c'est fabuleux de l'adrénaline qu'on a là-dessus, parce que ça avance tout le temps, et c'est ce que j'aime, c'est sûr. Ça a été de la vitesse, vraiment, ça a été de la vitesse, c'est d'aller vite, quoi. Aller vite.